Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 23 septembre 2016, on est un vendredi. Donc, j'enregistre la 16e vidéo de la série Tonton Fred consacrée à un terme d'argot internet, le trolldi. Les personnes qui savent à peu près de quoi je parle doivent se dire, ça tombe bien. Donc, déjà, trolldi, c'est composé de deux morceaux, troll et di. Di comme mercredi, jeudi, vendredi, en classe le jour de la semaine qui est concerné. Le trolldi, bon, on va deviner ce qu'est un troll. Un troll est une personne, peu importe son sexe, qui balance des propos volontairement tronciers, volontairement exagérés, pour créer la polémique. Si vous connaissez un peu Astérix, c'est le personnage de Tullius Détritus, le fouteur de merde, voilà, il n'y a pas autre mot, du tome La Zizanie. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, Wikipédia dans le descriptif. Un troll sur Internet est une personne qui cherche la polémique pour chercher la polémique et pour l'amusement. Elle allume le bâton de dynamite et se tire à grande vitesse en attendant que ça explose. Donc il y a aussi une célèbre expression qui dit Do not feed the troll, ne nourrissez pas le troll. Donc voyons, vous savez bien ce que c'est qu'un troll, c'est une personne qui cherche volontairement la merde. Dans les trolls célèbres, il y a des trucs VIM ou VI contre Emacs pour les éditeurs de texte, Microsoft Windows contre Linux ou Microsoft contre Apple, Firefox contre Chrome, Firefox contre Opera, bref. Tous les sujets à polémique qui peuvent exister. Et sur d'autres sujets, mais là, quand on parle d'informatique, je parle des sujets que je connais le plus souvent et qui sont sujets à troll. Comme la guerre des Zéniths. Ça, c'est un sujet de troll sur lequel je n'ai pas envie de revenir parce que je suis tellement envie dessus que ça devient gavant. Donc, le troll dit, c'est le cinquième jour, enfin, c'est le jour qui suit le jeudi, c'est le vendredi. Théoriquement, dernier jour avant le week-end. Le troll dit signifie simplement ce jour, surtout après-midi, on a envie de se lâcher parce qu'on en a plein les pattes de la semaine, on a envie de balancer des conneries pour se soulager un bon coup. Donc, ne vous étonnez pas si le vendredi sur les réseaux sociaux, il y a des messages un peu bizarroïdes, du Gorafi qui est publié à grande dose. Bref, c'est troll dit, c'est le jour où on a envie de se libérer, on a la semaine dans les pattes, on a envie de se soulager un bon coup. Enfin, le troll dit simplement le vendredi, c'est le jour où on en a marre. On se dit, allez, le week-end arrive, on va pouvoir se reposer. Du moins en théorie. Voilà, donc c'était une vidéo très courte. J'espère que vous serez à quoi correspond le troll dit et pourquoi j'adore vraiment cette journée. Allez, salut à la prochaine, bye bye.